Les combats continuent à Tripoli. Les rebelles contrôleraient désormais 80% de la capitale libyenne. Ils avancent quartier par quartier. Ce lundi matin, de violents combats se déroulaient autour de la résidence de Muammar Kadhafi. Le guide libyen y serait retranché. La nuit dernière, les insurgés libyens exultaient en plein centre de Tripoli, sur la place verte, jusque-là réservée au rassemblement des partisans du dirigeant libyen. Un peu plus tôt dans la nuit, le fils aîné du dirigeant s'était rendu aux forces rebelles. Le plus jeune et très médiatique, Saïf al-Islam, a été arrêté. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Si les succès apparents des rebelles laissent pressentir une fin toute proche de l'ère Kadhafi, le porte-parole du régime a assuré que des milliers de volontaires et de soldats étaient encore prêts à se battre. L'opération baptisée Sirène et lancée samedi soir par les rebelles continue donc. Elle aurait déjà fait plus d'un millier de morts.